Alors, ce qui influence mon art, c'est vrai que c'est bien sûr le voyage. C'est même une évidence. D'être au contact avec les gens, le choc de culture, les nouvelles traditions, même des fois dans quelques pays, on va être confronté à des coutumes. Je peins vraiment par amour et c'est vraiment une passion qui me tient très à cœur. L'impact qu'un festival comme IPAF peut avoir sur mon art, donc pour moi c'est très, très positif. C'est ce qui va me permettre, moi, dans le futur, de garder toujours cette inspiration. C'est une énorme influence et l'échange avec les gens ici n'a été que du bonus pour moi, donc j'en suis très, très, très ravi. J'ai opté pour un personnage, un buste qui s'extirpe des feuillages, donc qui est très enraciné à la nature, entre la terre et la mer, parce qu'il y a des petits détails qui rappellent aussi la mer avec un bracelet en coquillage. Ma première source d'inspiration, ça restera quand même la nature. Pour moi, c'est la plus grande des technologies aujourd'hui. Salut, je m'appelle Maï, je suis né à Sète, donc je suis sétois et je vis à Montpellier et travaille à Montpellier.